aussi. Oui. TGV numéro 7700. Je vous rappelle que le wagon bar, le train est arrêté à la gare. Départ initialement prévu à 21h12. Et allez, les gens, je vous rappelle que des tickets de métro sont disponibles à la voiture. On a le droit à un petit fine. Les joueurs de l'équipe de France qui sortent du terrain. Ah, et le tirage des bagages est obligatoire. Eh, j'ai trouvé la touche pour zoomer. Oh, c'est quoi ce gast? Ouais, y'a que 3 îles qui sont fun. Waouh, ça juge. Pourquoi ça a des formes de cette île à la con là? Ça a changé avec la TP. Les mecs, celui qui ont le désert, ils font comment? Ceux qui ont le désert, ils font la tour de Cactus. Ok, allez, c'est parti. Tout le monde est en record, c'est bon. Par contre, il y a un mec qui joue une trouvaille. Avec qui c'est qui se met de l'écho de ouf? Bordel! Oh! On va faire un peu d'écho. 3, 2, 1, let's go! Bonjour à tous et bienvenue à Creeper Island, les gens! Aujourd'hui, encadrement par un professeur, ça veut dire que tout le monde se tait, tout le monde est en rang, tout le monde est assis, tout le monde regarde et écoute. Si vous voulez pas que ça dure, pas de cahier. Toi, t'as oublié de les élèves, non? J'ai pas de stylo. Mon chien, j'ai ma copie. Pourquoi tu as fait la balance? Vous pourrez peut-être aller balancer la perche. Monsieur, quoi? Ça commence bien. Est-ce que c'est noté? Eh, franchement, en plus c'est noté, c'est ça. Est-ce qu'on doit sauter des lignes? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'autre là? Est-ce que tu veux que je mute tout Allez, le monde? Allez, on est parti. Sauf toi. Alors, pas stylo, ouais. Pas d'encre. Vas-y, Pierre, s'il te plaît. Ouais, si ouais. Les explications sur Creeper Island. En fait, on va essayer d'économiser le temps. 10 îles, comme vous le voyez tout autour, 10 biomes différents. Elles sont toutes des spécificités différentes. C'est-à-dire que chaque île possède un biome, une faune, une flore différente avec des fleurs, des cides, des arbres, de la canne à sucre, mais pas toutes les mêmes. Il y a une équipe, une île, pardon, au centre qui est inaccessible jusqu'à l'épisode 8. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas y aller. Si vous vous approchez, il vous arrivera rien, vous allez être éjecté. Cette île est en biome Nether. Celui qui bourrine sur son clavier, est-ce qu'il peut se mettre en push to talk? Ce serait plus confortable quand même. Ou laisser le clavier tranquille, genre. On continue. En fait, Creeper Island, ce n'est pas un jeu PVP, c'est un jeu qui est multifonction. Donc on va faire du craft, on va faire du PVP, Nems a quitté la partie. pour gagner des points, il existe plusieurs façons. La première chose, c'est que tous les épisodes, tous les 20 minutes, un événement va apparaître. Vous devrez le réaliser. La première équipe qui le fait aura un certain nombre de points, la deuxième en aura moins, et vous pourrez le réaliser tout au long de la partie. Même le premier événement qui va pop, vous pourrez le faire lors du 8e épisode, si vous le souhaitez. Il y en aura 8 différents, des épisodes de construction, des épisodes de PVP, et c'est ce qui détermine à peu près le plus de points dans le jeu. Vous pouvez gagner des points en faisant des collections. Les collections de saplings, de seeds, de graines, de nether, de plein de trucs. Vous retrouvez les collections en tapant slash collection quand vous serez dans le jeu. Ces collections sont à déposer dans le coffre qui se trouve au spawn au centre de votre île. D'ailleurs, je vous invite à cacher ce coffre car il peut être pillé par les autres équipes qui vont peut-être avoir besoin de compléter leur collection. Les collections, elles ne sont pas évidentes à faire. Dites-vous bien que si vous êtes en train d'aller sur une île et que vous mourrez sur cette île, vous perdez tout ce que vous avez sur vous. L'autre personne récupère tout. Donc je vous invite à faire très attention. Creeper Island, on peut gagner des points aussi en tuant des gens. Nem, c'est pour toi, écoute bien. Si tu tues des gens, tu gagnes des points. Si la personne en face est tuée, elle perd des points. Cependant, en termes de règles de gentleman, pas de spawn kill s'il vous plaît, il n'y a aucune règle dans le plugin. Donc dès que vous tuez quelqu'un dans sa baraque, bah vous barrez. Vous pouvez piller le coffre sans souci, mais vous barrez. Vous êtes gentil, vous ne le retuez pas derrière. On ne peut pas tuer plusieurs fois la même team. Est-ce qu'il y a un anti-PVP genre d'une demi-heure, d'une heure ou un truc comme ça? Alors, il y en a un, pareil, Gentleman Rules, pendant tout l'épisode 1, il va prendre l'anglais, hein, putain. Moi, je suis pas anglais. Bill, tu peux me le prononcer, s'il te plaît? De quoi? Gentleman Rules? Oh, c'est beau! Oh là là! Oh, c'est magnifique! La demi-molle, s'il vous plaît! Sexy, sexy. Donc, la deuxième règle aussi, c'est que pendant tout l'épisode 1, je vous demanderai de rester sur votre île ou sous votre île, pour miner sans souci, mais de ne pas aller sur les îles des autres. À partir de l'épisode 2, vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez, vous tuez qui vous voulez. D'accord? Cool, je vais survivre 20 minutes. Ça, c'est par hasard, mais on se voit dans un... Enfin, si on se voit quand même, lors du premier épisode, on peut se tuer ou pas? Non. Non, mais arrête. De toute façon, tu peux pas, tu vas voir personne vu que t'es sur ton île. T'es sûr de toi? Donc, premier épisode. Est-ce que tu veux parier? Sérieux?
La super Ender Pearl. Alors, j'ai le pouvoir de... Je suis Dieu aujourd'hui, j'ai le pouvoir d'enlever des vies. Parce que nous avons 10 vies au total à partager pour chaque team. Si quelqu'un comme Nems, par exemple, s'aventure dans une île alors qu'il n'avait pas le droit, vous me le dites dans le chat, je ne vérifie même pas. Mais non, mais j'annonce, moi je plante ma dame dans le laser. J'annonce, hein. Et vous passez le portail, je suis déjà sur votre cul, hein, c'est fini. Alors, justement, parlons-en du Nether et parlons de Creeper Island de manière générale. Alors, avant, non, il reste une dernière façon de gagner des points en faisant des crafts de qualité. Pour faire des crafts de qualité, comme par exemple la TNT, des pistons, de culture. Des points de culture. Et si vous les faites, vous gagnez des points. Par contre, ces points-là, peu importe le moment où vous le faites, vous gagnerez tous le même nombre de points. Il y a des crafts qui valent plus ou moins de points. Vous avez le livre qui l'explique, vous pouvez parcourir le livre. Le Nether et toutes les îles ont une anomalie, c'est qu'il y a énormément de creepers. La qualité de Nether. Qu'est-ce qu'il parle là-bas? C'est raciste. Flashback. Donc je disais, il y a 40% de creepers en plus. Partout. Donc en fait, faites attention. Et il y a des creepers chargés. Je vous rappelle qu'on est en ultra hardcore. Et donc ça veut dire qu'un creeper chargé vous one shot. Et les coéquipiers qui sont aux alentours, pareil. Donc l'épisode 1, épisode 2, je vous demanderai de faire attention. Attention. Donc Nether, on peut y aller à n'importe quel moment. Nether, vous pouvez y aller à n'importe quel moment. En sachant que. Nether, tu peux y aller à n'importe quel moment. En sachant qu'il y a un portail partagé du côté du Nether, étant donné la taille de la map. Ce qui veut dire qu'il y a une zone safe au niveau du Nether, qui est à peu près 10 blocs sur 10, où personne ne peut se tuer. Cependant, au-delà de ces 10 blocs, vous faites ce que vous voulez. Petite information quand même, ne prenez jamais un portail, sinon ça va faire bugger le plugin. Ne prenez pas un portail d'une autre équipe si vous-même vous n'aviez pas encore fait le portail du Nether. Faites-vous chacun votre propre portail et passez au moins une fois par votre portail. On ne sait pas pourquoi, mais le link des portails fonctionne Minecraft pas. Minecraft souvent. Il nous dit comment faire bugger le plugin. Prof, non, précise pour le Nether qu'on perd des points au bout d'un moment. Oui, quoi, et hein, au bout de la troisième minute dans le Nether, vous faites perdre des points à votre équipe. Quoi Personne n'a jamais lu ce truc. Attends, c'est trop bien. Si vous ne donnez pas 20 euros à Sony en PayPal, vous perdez. Attends, redis pour le Nether, c'est quoi? Tu perds des points pourquoi? Au bout de la troisième minute dans le Nether, il y a des points qui sont diminués toutes les minutes, automatiquement. Donc vous faites perdre des points dans le Nether. Mais c'est un truc d'antinème, ça c'est cool. Et pour les gens qui mettent minimum un épisode à avoir une forteresse, ils font comment? C'est quoi, c'est un point à la minute ou... Le gros avantage c'est que le Nether. A forcément une forteresse très très proche. Donc y a pas de souci, elle sera à moins pour de chaque île. Voilà, il y a une équipe qui raid et il est commun. Il est commun et vous ne pouvez pas détruire les. Même s'il va l'avoir, il nous rien. Du coup, on peut avoir des points négatifs ou pas? Non, mais c'est chaud quand même. Ah merde. Ah oui, c'est chaud. Ah, on a jamais dit que c'était facile. On va voir. Est-ce que c'est comme au golf? Moins t'en as, plus tu gagnes. Bon. Des points. Tu peux essayer. On va faire la super technique, on les tue tous et puis on voit après. Question prof, le bouquin on l'aura ou pas une fois qu'on... Non, le bouquin vous ne l'aurez pas. Par contre, en fait, tout est affiché. Vous avez des panneaux qui vous permettent de vérifier l'état de vos collections, l'état de vos points de culture. D'accord, et chaque event sont affichés à chaque fois. Le mec, il a cru que c'était civilisation. Petite dernière information sur chaque île. Compliqué. Hein. Étant donné la difficulté du jeu, parce que vous allez voir que c'est vraiment pas facile, sur chaque île, il y a des coffres cachés avec des ressources dedans. Je vous invite donc à aller les voir, à les trouver, à bien explorer l'île au départ, parce que vous allez être bien content d'avoir ces quelques cadeaux au départ. Ils sont cachés où? Les cadeaux et les commandes fonctionnent qu'après une minute de jeu, ne vous inquiétez pas, parce que pendant la première minute, tout dégât est enlevé, donc les panneaux et quelques petites choses du plugin ne fonctionnent pas, mais ça vous permet d'aller explorer l'île, il n'y a pas de problème. Voilà, des questions ou pas? Ouais, moi j'ai une question aussi. Ouais, jour 8, ouais. Déjà, mais j'ai une question par rapport au coffre qu'on a à notre île. On peut le casser et le reposer, non, le coffre des collections? Non, okay. Il restera toujours à sa place, il peut pas bouger. Par contre, d'autres personnes peuvent l'ouvrir et peuvent voler des choses. Comment on le cache, en fait, on peut pas le cacher du tout. On peut faire d'autres coffres cachés. Tu peux le cacher parce qu'on a testé, la map et il y en a qui ont réussi à le cacher, vu que moi-même, j'ai pas réussi à les retrouver. Tu refais un sol par-dessus et puis voilà. Voilà. On peut faire d'autres coffres. Ça, c'est vrai qu'il va faire ça. Alors, pourquoi sur l'île d'Aurélien il y a une montagne? Ça marchera pas si vous faites ça. Non, okay, mais je veux dire, par contre, je vais parler d'épisode 8. À l'épisode 8, c'est le dernier épisode. Les bordures se referment. Vous avez intérêt à courir sur l'île centrale. Et sur cette île centrale, nous sommes dans le nuage du volcan. Je sais pas si vous avez vu en dessous de vous. Ouais. Mm-hmm. Et il va falloir faire un bridge
au-dessus de la lave pour appuyer sur le bouton qui est juste en dessous du nuage, là, en dessous, là, voilà, pour l'équipe qui arrivera, en sachant qu'on sera tous là parce que la bordure va se refermer, et l'équipe qui appuiera sur le bouton fera terminer la partie. La question, c'est qui gagnera, c'est ceux qui auront le plus de points. Jouer est-ce qu'on a le score des autres équipes ou pas du tout combien oui, de points on voit le score des autres équipes à chaque fois. Ah, c'est dommage. Ah, c'est mieux. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a le Funny Fire ? Oui. Et oui, si on tue nos mates, ça fait du point de PVP aussi. Oui. Ah, mais okay. Tu perds une vie. Attends, pas PVP, mais pour l'ensemble de la mais tu perds une vie pour l'ensemble de la team. Mais pour l'event, t'as un oui, event où tu dois tuer si quelqu'un. Si il y a un event PVP, ça peut faire des d'ailleurs, points. Chaque vie vaut combien de points alors, de, mémoire, de mémoire, tout est entre 2 et 5 points. Il y a des crafts qui sont à 5 points. Il y a des events qui sont à 5 points au départ et 2 après. Mais ça varie toujours entre 2 et 5. Mais vous allez vite vous apercevoir ce qui est plus dur à faire ou moins dur. Donc, il faut savoir, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de tuer un de ses mates pour gagner l'event de tuer quelqu'un ça peut avantager. Si ça te rapporte 5 points et que ça t'en rapporte 3, ça vaut le coup. J'ai une question dans le Nether. Pour les viewers, 1.10 mais spam click activé ou pas ? 1.10 mais spam click activé. Ok. Nul. Ça change pas. Pour le Nether, les 3 minutes, c'est du genre si tu rentres dans le Nether, tu restes moins de 3 minutes, tu sors, tu re-rentres, ça remet à zéro le compteur. Je crois que ça réinitialise, mais j'ai un doute. Parce que sinon, en 3 minutes, tu n'auras jamais le temps. Non, mais au-delà des 3 minutes, tu perds combien de points non, à la minute ? Non, mais c'est fait exprès. 32. Non, t'en perds pas tant que ça. T'en perds mais c'est un point à la minute, c'est un lot. C'est un point à la minute. Tu perds 2 points à la minute. Voilà, donc non, okay. Non, c'est pas grave. Voilà, alors le plugin est relativement chargé. Je vous demanderai d'être gentil. Il est possible qu'on rencontre quelques bugs, mais j'ai quelques données pour restabiliser le truc. Voilà. Ok. Merci. C'est la fin de ce premier épisode. Attends, c'est ça, bon. C'est la fin de l'épisode 0. Allez, on peut tout de suite chier. Pause bleu. Bonne chance à tous. Merci. Allez, t'as bisous. Allez, au revoir. Bisous. Pause bleu. Nous, je sais même pas où je suis. Team 6. Putain, j'arrive pas à jouer championnat. Voilà, ça c'est fait. Oui. Des équipes, chacune sur une île, remplies de creepers et des électriques. Des missions, des actions de la qui survivra à ce périple, c'est Creeper Island. Creeper Island. C'est Creeper Island. Oh. Yes. Excellent. Oh mon dieu. Parfait. Oh, on a le truc de glace. Génial. Et du patin. Il y a du patin. Patin. C'est par ici. Et il nous manque quelqu'un. C'est par ici quoi. Ah mais vous êtes déjà à fond. Ah d'accord, très bien. Ah mais à fond. Non mais par contre alors il faudrait faire deux équipes les mecs. L'idéal c'est deux équipes, deux personnes qui sont sous terre. Et puis deux personnes qui font de l'overworld en fait. Parce qu'il y a énormément de trucs à faire en overworld donc ça serait con. Oui il faut pas oublier les jour-nuit activés aussi. Ah oui, ça se voit. Ah oui, oulala, ça va être chaud ça. Du coup, donc, on fait deux équipes de deux. Bah ouais. On est quatre donc, du coup. Moi, je suis assez chaud pour aller sur l'Overworld parce que bon, je connais un petit peu les îles qu'il y a autour. Bah ouais, pourquoi pas, tiens. On fait quoi, Flaming et Ethan et puis. Why not, as you wish. Est-ce qu'on a plus de chances de mourir sous terre ? Oui. Sauf la nuit, parce que la nuit, ça va être le carnage aussi. Même en surface. Ah ça ah oui, sachant que c'est il y a plus de creepers qu'autre chose. Ouais, bon elles sont vraiment très spéciales hein, les cavernes sous terre. C'est on voit que c'est du custom quoi. C'est bien, c'est bien de le dire. Ça va être marrant. Ah par contre ce que je vais commencer à faire c'est que peut-être quelqu'un commence à faire le tour de l'île dans ce sens-là et puis moi dans ce sens-là comme ça on prend toutes les ressources parce que dès l'épisode 2 il y a des gars ils vont arriver, ils vont tout prendre quoi. Faut pas laisser carottes, patates, tout ça, ça fait des trucs pour nous en fait. Okay. Et que en fait les items ils sont uniques à certaines îles. Faut tout choper quoi. Ouais, bah vu que c'est unique à certaines îles, le mieux c'est d'avoir les items quoi. Tu vois. Putain, c'est moi ou je one-shot tout en fait. Putain, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est du set d'attaque damage la hache en bois. Ok, très bien. Ah, il y a des ours polaires. Ouais, ils sont mignons ceux-là. Ils donnent rien mais ils sont mignons. Vas-y, il est où à Stone? Rigole, il y a un achievement, enfin une collection, c'est du poisson et ça donne du poisson à les sources polaires.
Ah d'accord. Mais je crois qu'il faut avoir les 4 poissons différents, donc laisse tomber. Bon, il y a du cactus. Coucou le lapin. On garde peut-être les moutons en vie pour, parce que il faut avoir 4 laines différentes, il faut faire une bannière. Ouais. Des trucs du style. Bon, j'ai des carottes. Ok, j'ai un lapin qui est parti dans l'eau. Ah, je me suis niqué. Déjà ? J'ai pas mes blocs. Ah. Ah, ça, ça perd déjà des cœurs. Ah oui, par contre, ceux qui vont miner, mettez 50 cobble à cuire. Il faudra 50 de bois et on fait une pile de 50, 50 et 50. Ça fait une pile de 100 de haut. C'est le premier... Achievement. Premier monument. Okay. Il faut être, techniquement les premiers à le faire. Pour avoir 5 points. Les deuxièmes, ils ont 4. Et après, 3 points. C'est bien de connaître quelqu'un qui, connaît déjà. C'est cheaté. Ah, mais attends, hier, en plus, on a gagné, donc... Raison, ah ouais, bah, on refait pareil alors. On va essayer. Bon, le problème c'est qu'hier j'étais avec des pro PVP. Moi le PVP laisse tomber quoi. Bah là aussi. Qui est moi? Moi pro PVP. Oui, oui, qui? Contre des creepers, oui. Bon, l'arrêtant, on va en grotte, c'est ça? Ouais. Ça les fume. Ouais, t'as vu où j'ai commencé à miner ou pas? Bon, sinon tu vas yolo. Lapin! Lapin, voilà. Lapin? Sinon tu vas yolo. J'ai pas vu. Il y a un truc qu'il a expliqué faux, prof. C'est pour la pile de cactus, il a dit qu'il fallait 100 cactus de haut. C'est juste 32 en fait. Ok. Oh, on nous a mis d'erreur. Sauf s'il a changé, mais. Hier c'était 32 quoi. En fait, je me suis emmerdé à faire 100 cactus. Je fais la pile et au bout de 32, j'ai eu le truc. Un peu dégoûté. Bon, j'ai du cactus, j'ai de la canne. L'écureuil ou pas? Non. Non. Ah oui, il a quand même perdu 3 cœurs et demi. C'est bien, il commence bien. Ça, Loupio? Ah oui. Bon bah je descends mais on n'y voit rien. Bah il faut des torches. Du charbon. Bah ouais. Est-ce que je fais cuire du bois? J'ai trouvé du charbon. Ethans? Oui. Toi qui dis ça? Non c'est moi. Ah bah donc on s'en fout. Mais... Bah t'es pas à côté quoi, je veux dire. Bah si, enfin... Ah bon? Pas loin. Elles sont grandes ces îles ou... Non du tout. Bah ça dépend... Ouais non, je sais pas. Ça dépend, ça dépasse. J'arrive. Oh putain, ça y est. J'ai la caverne de l'infini. Ah oui. Attention, c'est dangereux en bas. Hein. Ouais, faut faire gaffe vraiment les creepers chargés. Les normaux encore ça passe, mais les... Et pensez à vous faire des boucliers cette vue 1.10. Il faut du fer, je crois. Par contre, tu peux spam click, ça c'est cool. Oui, ça c'est bien. Ah, la vache reste ici, s'il te plaît. Moi j'ai fait une table de craft, je sais plus. Ah oui. Faire des torches. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de tout garder, genre les saplings, des trucs comme ça, parce que. T'as besoin de tout. Ouais, on jette rien, quoi. C'est moi que vous avez miné sous vos pieds? Non, on a fait un escalier de type. De type standard. On est à côté de la forêt Dark Forest. Ouais, et de l'autre côté, il y a les montagnes. Et techniquement, dans les montagnes, c'est l'équipe noire. Comment tu sais? Bah, parce que apparemment, leur plugin, il est pas très random que ça, tu vois. Ah. Genre, hier j'étais rouge, j'étais dans ce biome là, donc je me dis que les noirs, c'est les noirs d'hier, tu vois. Oh, ça parle mal. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à côté, bah techniquement, c'est les roses. Ah, si c'est les roses, on est mal. Non, c'est les violets, pardon. C'est les violets, et après. Ah, bah ça va. Frigiel est mauvais. Après, c'est les roses. Il est violet.
Et vous voyez, ils sont nuls en PVP, donc ça va. Alors, tout est relatif, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire que par rapport à nous... Ils sont forts. Ils sont très forts, mec. J'ai de l'eau. Bon, là, il y avait une grosse grotte. J'ai raté l'entrée, dis donc. Lapin, 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 lapin. Voilà. Des poulpes, on va en avoir besoin pour le colorant ou pas? Ouais. Il faut faire un livre écrit deux fois du colorant noir. Donc ouais, trois poulpes. Dès la queue. Ok. Du fer. Ouais, donc commencer à faire cuire la cobble. Hein. Oui, il y a déjà des équipes qui ont marqué des points. What? Seriously? Mm-hmm. 5 points et 3 points. D'accord. Très bien. C'est l'exploration en surface, c'est ça? Ouais, je pense. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de quitter l'île au premier épisode, donc... Mais du coup, il y a quoi à faire en... Vas-y, tu m'as posé. Je dois voir les trucs sous les yeux. Je sais même si j'ai le truc à côté de moi, mais premier, faire une balle... Bastise... Ah, bâtisse de 50 blocs de pierre. Ouais, donc de là, pierre. Il faut mettre 50 cobbles à cuire, quoi. C'est en cours. Ouais, c'est cool. Ben, j'arrive. En fait, l'île est sacrément grande, d'ailleurs, on pense. Pas mal, okay. Bah, on a une île, je crois que c'est la plus grande, d'ailleurs. Ouais, par rapport à... Mais c'est vraiment trop mal, parce qu'après, les mecs, quand ils essayaient de trouver où on se planque, etc. Voilà. On a la plus grosse... Attends, je te mets ça comme ça. On a la plus grosse. Faut de la cobble parce que la hache en bois elle dure pas longtemps quoi. Ah bah tout de même. Hyper chargé, tout va bien. Ah ça fait bizarre de me trimballer avec une tonne d'équipement sur moi. Oui, ils font pas semblant les creepers là. Ouais. J'entends ton combat. J'ose pas m'approcher, je sais pas pourquoi. Oui. Bah du coup on va privilégier les haches pour attaquer, sachant que ça fait plus de dégâts. Ah oui. Non parce que il y a le spam click donc avec une hache. Bah justement la hache en pire c'est du 9. Ah grave. Donc du coup. Ah vu qu'il y a le spam click en plus. Bah voilà. 9-18, tu les double shot en fait. Excellent. En plus, on peut. Faudrait essayer d'enchanter des bouquins sharpness si tu mets sharpness sur ta hache. Ouais. Ça me... Coup de lag. Ça y est, il est rentré dans le nether. Déjà. Oh là là. Ah, fluff là, tu descends en cœur. Ouais, c'est un pro PVP. C'est un pro PVP. Attends, il arrive. T'es en train de mourir de faim? Non, je suis. Merde. En train de mourir de squelette. C'est vrai que c'est pas mal, tiens. Ah, mais putain, mais c'est... Ah bah bien. Oh. Ah, mais c'est n'importe quoi, ça. On est à moins une vie, c'est ça? Non, même pas. Attention, il y avait un creeper. Ouais, j'ai vu. Ça va faire tout noir. Merde, j'ai un caplock. Au moins, on a gagné des points. Juste caverne. Attends, vous gagnez 4 points pour... Ah oui, très bien, ok. Ah, il fait nuit. Ah, il fait très nuit. J'ai tout perdu. Oui, j'ai tout. Viens vite. Mais t'as vu comme c'est la guerre, en général? Comment on va faire dans les grottes là? C'est un flying. Moi, j'ai failli toucher un ours. Crains quoi. Ah, un bon petit sharpness 5 sur une hache. Ça va être cool ça. Par contre, on peut pas mettre Fire Aspect dessus. Ok, Shun. Je vais vite réaliser l'achievement. Ça va nous faire quand même quelques points comme ça. Ah, j'ai une épée de trop, t'es sûr que t'as. Moi j'ai une hache. Bah, je vais te la vas-y. Je vais juste aller me crafter, surveiller 2 secondes d'entrée. Bon, bah, du coup. First. Bah, ouais, First Blood. Du coup, on fait comment là? Parce que si tu veux, je suis sorti d'à peu près 2 blocs. Ça a été le gangbang. Il y
Y'a besoin d'avoir du sable ou pas? Bon, sûrement. Du sable, oui, il faut faire du verre. Le cactus. Ah, encore une fois, prof, il a marqué que c'était des vitres, mais c'est vraiment du verre qu'il faut, pas des vitres. C'est bien parce qu'il dit la moitié des choses. Il m'y saute. L'avantage, tu vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de meubles la nuit. Oui. Parce que du fait qu'on est beaucoup sur une map, on génère tout le monde. Oui, alors pas beaucoup de mobs, tout est relatif. Est-ce qu'il faut des boules de neige ou... Ouais, je n'ai pas eu la même expérience de jeu, honnêtement. Ah, chacun son problème. J'ai pu poser une torche. Wow. Normalement. Donc il ne devrait plus y avoir de mobs, là. Bon, on devrait marquer des points dans quelques secondes, normalement. Ah, Mitsu, il faut des boules de neige ou pas? Ça marche, les boules de neige sur les players, mais sur les mobs aussi d'ailleurs, je crois. Ouais, ça les repousse, mais c'est tout. Il y a un truc là. Mais ça fait pas de dégâts. Mais il y a pas d'achievement, enfin de collection. Hey oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Bien. Il m'attaque encore. Bon, on est les troisièmes à l'avoir fait, quoi, ça fait chier. Ah, ah, y en a, ils sont vraiment chauds, quoi. Ah oui, d'accord, creeper chargé au spawn, très bien. On va peut-être éviter, hein. Ouais, je le vois. Ah ouais, pas con ça, Ethan. Il est en train de faire une forteresse dans la grotte. Attends, il a l'aggro sur toi. Attends, ouais. Attends, continue à garder l'aggro. C'est justement. Saute en même ah, temps. J'ai plus de bois. Oui, oui, oui. Merci. Tu sautes en même temps, tu donnes du coup critique. C'est vrai. Surtout à la hache, c'est assez mortel. Et on va où comme ça, en fait, le flaming? Je sais pas. Ah, je vais faire un boubou. Bah du coup, j'ai fait mon tour, moi. Bah normalement il faudrait sortir dans la grotte, ce que j'ai essayé de faire, mais moi je m'y risque plus, hein. Chacun son tour de faire perdre une vie à l'équipe. Hein. Bonjour. Oh, je vais chercher du bois. Ça, je vais me faire un bouclier. Je vais pas tuer. Dehors. Oui, parce que c'est assez. C'est vous qui avez fait une grande tour à je sais pas quoi. Ouais, c'est pour la achievement. Mais là-dessus ils font des maisons, je serais plus vite de faire une tour. Ah mais j'ai pas vu, il était où cette mission? C'est où qu'on les voit du coup? Les missions, soit tu... c'est un doodle doc, ou soit tu l'imprimes. Ah mais je croyais que ça devait popper dans le jeu. Ouais, peut-être le scoreboard en fait, hein. Peut-être. De... Les objectifs, non? Tu peux faire slash collection. Ah oui, c'est vrai. Avec un S. Et puis ça te montre ce que tu peux faire. Après, je sais pas si. Je crois qu'il y a d'autres commandes, mais je les connais pas par cœur. Il me reste un fer. Est-ce que quelqu'un veut se faire un boubou? J'ai aussi. Non, j'ai plus de fer, moi. Comment on fait un bouclier? Pas un boubou. Comment on s'en sert du bouclier? Tu appuies sur F. La barre d'inventaire du bouclier. T'appuies sur après, F quand tu le sélectionnes. Aussi. Il faut cliquer droit pour qu'il marche, hein, sinon il sert à rien. Ouais, c'est pas faux. Ouais, ce qui est bien, c'est que les diamants sont diminués. Lol. Ça, c'est pas mal aussi. Faut 3 laines, 3 planches et un fer, ok. Je vais chercher des torches après. Ok, ça c'est fait. Faudra penser à économiser une armure et puis utiliser une armure pour. Parce que t'as une collection, c'est mettre une armure entière en fer. C'est pas comme ça le bouclier. Ah merde. Quoi? J'ai l'impression que le bouclier il n'existe pas. Et si, il marche même. Ah, c'est 3 laines, 3 bois et un fer? Non, il n'y a plus de la laine. Non, non, c'était à l'époque ça. Mais maintenant tu fais un entonnoir, c'est qu'il n'y a plus besoin de laine en fait. Tu fais comme un entonnoir avec tout le bois et tu mets un de fer en haut. Même c'est sur notre île. D'accord. C'est même pas la fin, mais ouais. Ah, du bois du haut ou. Peu importe. Bah, donne, je t'en fais un si tu veux. Oui, parce que alors moi. Ah, ouais, très bien. Je voulais un peu de charbon par contre.
violent. Yep, moi je suis en train de faire cuire du coup de la bouffe. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je fais cuire de la bouffe, sachant qu'on a un steak de. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, le truc intéressant à ne pas mourir, c'est surtout de garder l'XP pour les enchants, quoi. Bon ben, on est tous dans la mine. Ouais, et puis je pense que ben au prochain épisode, on fois deux, on part en exploration. Moi après, je suis assez partisan des explorations de nuit. Ça évite de croiser du monde, surtout au début. Ah, ça tire des flèches. Putain. Oh mais j'arrête de jouer moi. Je me mets dans un trou et puis. Mais non, mais c'est infâme ces grottes, on n'arrive pas à sortir. On a du mal à survivre. Tony qui se barricade, il y a un squelette, il est juste devant. Mais non, mais regarde, à chaque fois il arrive à me caser une flèche et. En fait, il te suit. Et oui. Même ils sont intelligents et tout. Il est où le squelette? Bon. Il était juste tout droit au fond à gauche. Ah ouais. Là, juste là. Salut. Et lève ton bouclier, hein, parce que c'est des snipers. Hein. Voilà. Levent, on est d'accord que c'est sur la même maison, les blocs. Mais t'es sorti ? Bah ouais. En mode rien à péter ? En mode il y a un creeper chargé. Mais moi, quand je fais ça, je meurs. Bonjour. Salut. Anna, il y a juste un creeper chargé dans le trou, mais c'est tout. Où ça? Ou qu'il y a en dessous de l'eau. Ah bah ça va. Pas de quoi s'inquiéter alors. Quand je prends de la cobble un peu. Non mais moi, je suis en panique là. Vous avez dit qu'il y avait de la régène. Ah, si c'était vrai. On nous a menti. Pff, ah, mais t'enlèves l'eau, mais il va monter le coucheur. Ah, bon, je me cache. What the fuck. Bah non, si j'enlève l'eau, c'est justement pour éviter les problèmes. Surtout lui, en fait. Dommage qu'on n'a pas de dark. Diamant. Oh, bah, GG. Yeah. GG. Ah oui, le diamant, il est normal ou il est... Ah, il y en a beaucoup moins. A plus. On a moins. Salut.